et nous assurerons la... Sursaut citoyen. Nous, forces politiques et sociales, candidat président de la République, responsable des partis politiques, acteurs de la société civile, leaders d'opinion et personnalités indépendantes. Réunis le 31 décembre 2023 à Kinshasa. Indignés par l'ampleur de la fraude et de la tricherie constatée lors du simulacre d'élection du 20 décembre courant, notamment la poursuite illégale des opérations de vote pendant 6 jours en violation de l'article 52 de la loi électorale, l'existence des bureaux de vote parallèles, la détention des machines à voter par des candidats du régime en place, le recrutement du personnel du bureau de vote au sein de l'Union sacrée de la nation, l'acceptation des votants sans carte de lecteur, la limitation drastique de l'accréditation des témoins de l'opposition, la non-acceptation et l'expulsion des observateurs et des témoins et de certains candidats valablement accrédités dans le bureau de vote, le bourrage des urnes en faveur du candidat Félix Tshisekedi ainsi que des candidats de son obédience politique, l'absence de fiches de résultats et des procès-verbaux signés par le témoin, la non-compilation de résultats dans les centres locaux de compilation de résultats conformément aux articles 70 et 71 de la loi électorale. De ce qui précède, tenant compte du rapport préliminaire de la Moïse-Nko SCC qui corrobore l'ensemble de nos propres constats et de plusieurs autres acteurs, nous déclarons ce qui suit. 1. Rejetons catégoriquement le simulacre d'élection organisé par la CENI du 20 au 26 décembre 2023 et ses résultats à tous les niveaux. 2. Exigeons l'organisation des vraies élections par une CENI effectivement indépendante à une date à convenir entre les parties prenantes. 3. Appelons la population congolaise et toutes les forces vives de la nation à rester mobilisées sur l'ensemble du territoire national pour sauver notre démocratie et notre nation en péril conformément à l'article 64 de la Constitution de la République. Enfin, 4. Demandons à notre peuple, dès la proclamation de la fraude électorale ce soir, de protester massivement dans la rue contre les Miyibi, les Bivi, Bamwizi, Bamiyibi, les voleurs de nos voix. Faites à Kinshasa le signateur pour le candidat président, M. Floribert Isilokeshi Anzoloni, M. Diogo Chanka Franck, Fayulu Magidi Martin, Katumbi Chapwe Moïse, Kikuni Masudi Seth, Matata Mponyo Mapon, Mukwege Mkirenda Deni, Ngoi Tedor, Sesanga Ipum Deli. Pour les responsables de partis politiques, Jean-Claude Vuemba. Pour les acteurs de la société civile, M. Silva Serge, Martin Milolo, Lalo Jean Bosco, Bambi Jeff. Pour les leaders d'opinion, M. Amoury Mouchaba Benjamin, M. Bokomi Bolapa Mino, M. Jacques Foutou Jacques, Isongo Foutou Jacques, M. Kabeya Mikishi Palmer, M. Mambokuta Emmanuel, Matumo, bienvenue, Moïndo Stewar, Okonda Kersan, Madame Kalonji Tchala, enfin M. Tshikonde Louise. Je vous remercie. La passation du marché. Les cartes d'électeurs, vous avez vu comment elles étaient. Quand ils ont déjà fait la répartition, ce qu'ils ont appelé la répartition des quotas, ils avaient déjà estimé l'estimation des électeurs attendus province par province. La répartition des kits, je prends par exemple dans la province du Kasaï central, où il y avait, d'après les statistiques, 3 millions quelques mille habitants, on a dispatché 1400 kits pour enrôler les électeurs. Dans la province de Nord-Kivu, 8 400 000 habitants,
On a dispatché 1600 kits, 200 de plus par rapport au Kasaï. On a déjà, et dans cette salle, j'ai fait la démonstration pour dire que c'était l'opérationnalisation de la fraude préparée par M. Kadima et la CENI. Donc, de bout en bout, nous sommes arrivés plus loin pour l'audit du fichier électoral. On n'a pas fait l'audit du fichier électoral. Vous en conviendrez avec moi. Et la preuve, c'est que le jour de l'élection, beaucoup de gens n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes qui étaient affichées. Plus loin, on demande à ces messieurs Kadima quand même qu'on fasse l'audit citoyen. Les évêques et les pasteurs protestants ont demandé l'audit citoyen, il n'a pas voulu. Au moment d'afficher les listes, de publier les listes, conformément à l'article 6 de la loi électorale, on n'a rien vu. L'article 8 également a été violé. La cartographie, on ne nous a pas donné la cartographie, nous avons identifié des bureaux fictifs. Et le jour de l'élection, parce que je dois aller plus vite, le jour de l'élection, vous avez vu que la loi, l'article 52 de la loi électorale, dit clairement que l'élection se tient en une journée, un jour férié ou un dimanche. Et on a prorogé les élections sur 7 jours. Est-ce que nous avons assisté à une élection ou à des élections ou à une parodie d'élection? Vous avez vu le bourrage des urnes. Monsieur Kadima et la CENI, s'ils voulaient organiser de bonnes élections, pourquoi n'ont-ils pas demandé un délai supplémentaire de 7 ou 10 jours? On pouvait voter hier, le 30, comme on avait voté en 2018, pour qu'ils puissent dispatcher les machines dans tous les bureaux de vote. Pourquoi il ne l'a pas fait? Simplement parce qu'il avait besoin de jours supplémentaires pour bourrer les urnes. Il avait besoin de cette coupure-là, et il l'a fait. Et vous avez vu, il y a des machines qui étaient placées ailleurs, les machines qui étaient destinées dans certains bureaux, quand on a des bureaux à Ngaba, par exemple, qu'on a utilisées ailleurs, qu'on a amenées à Ngaba 2-3 jours après. Donc, pour nous, nous n'avons pas assisté à des élections. Donc, il faut refaire ces élections. Vous allez parler des coûts des élections. On nous parle d'1,1 milliard, 1,3 milliard, 1,5 milliard, on ne sait pas exactement le montant. Mais il faut un audit. Dans un pays sérieux, le procureur général de la République devait déjà se saisir de ces dossiers. On a trouvé les machines chez les particuliers. M. Kadima et M. Toto doivent répondre. M. Kadima a failli troubler l'ordre public parce que les Congolais sont calmes et tous les observateurs étrangers se posent la question, comment est-ce que rien ne s'est passé? Mais vous devez savoir que le pays est menacé. Si nous, on a dit que non, que les gens, qu'on ne donne pas des mots d'ordre autres que rester calme, aller voter, voter celui qui vous devez voter ou celle que vous devez voter, vous aurez eu des problèmes. Et s'il y a un imposteur qui s'était servi de cette situation, qu'allez-vous dire? Donc, M. Kadima doit être arrêté immédiatement et transféré devant les instances et nous dire qu'est-ce qu'il a fait de ces 1 milliard ou plus qu'il a pris et pourquoi on a retrouvé les machines chez les gens et pourquoi il a organisé cette fraude. Donc, pour nous, je m'arrête là, il n'y a pas eu élection. Et nous devons nous remettre ensemble, toutes les parties prenantes, pour nous dire comment est-ce que nous devons organiser de bonnes élections avec une CENI recomposée. Cette CENI sera composée de qui? Et il faut faire ce qu'on appelle le calcul de coût d'opportunité. Le coût d'opportunité est énorme si nous continuons comme ça, parce que nous allons encore avoir 5 ans d'un gouvernement, d'un pouvoir illégitime. Et qui va venir investir? Dans les 5 dernières années, quel investisseur est venu ici? Quelle est la situation des Congolais? La situation des Congolais, aujourd'hui, vous avez les forces de progrès, tous ces jeunes gens qui n'ont rien, à qui on paye chaque mois 80 dollars et qui sont en train de transformer nos villes du Congo comme Haïti. Demain, ce sera Haïti. Vous avez du mal à faire, des actions ici sans avoir les forces du progrès, la milice de l'UPPS, vous attaquer avec des machines, des machettes.
et la police même est dépassée. La police est dépassée. Le patron de la police m'a dit, mais vous savez que cette situation existe, pourquoi vous mélangez la police et les forces du progrès? La situation, cette lecture amène une mobilisation de notre peuple. Je pense que c'est un élément très important que par-delà nos propres choix et convictions, en ce qui concerne la lecture de ce qui s'est passé et la solution à y apporter, au nom de l'intérêt supérieur de notre peuple et de notre démocratie, nous pouvons taire nos divergences, nous rencontrer et décider d'avoir une même démarche. Ça, c'est l'élément capital de ce qui nous réunit. Deux conséquences aussi. Aujourd'hui, M. Kanima va s'acharner à rendre public des résultats qui n'ont jamais été compilés. Parce qu'aucun centre de compilation n'a fonctionné. À ce jour, il est dans l'incapacité de vous dire s'il a ouvert combien de bureaux de vote, il y a déployé combien de machines à voter. Ça, c'est une lecture tellement évidente que tout esprit indépendant ne peut tirer la conclusion que nous avons eu une parodie, comme a dit le président Martin, et comme notre déclaration en a fait état, un simulacre d'élection. Et donc, en toute responsabilité, nous ne pouvons que en appeler à la mobilisation de notre peuple. Je termine par ceci. Aucun d'entre nous n'accepterait de confier son enfant aux soins d'un individu qui se présente comme étant médecin s'il est apparu que cette personne avait triché aux études et n'avait pas du tout obtenu son bulletin de médecin. Vous n'accepterez jamais d'embarquer au bord d'un avion quand vous apprendrez que celui qui veut le piloter n'avait jamais fini ses études de pilote ou avait touché aux examens pour avoir son agrément de pilote. Mais comment nous pourrions accepter que notre pays soit dirigé par des pilotes ou soit soigné par des médecins qui ont fraudé et qui ont triché pour obtenir leur agrément? Donc voilà pourquoi nous avons la même lecture et nous sommes déterminés autant que possible à travailler ensemble et à mobiliser notre pays. Qui est difficilement acceptable dans tout autre contexte. Nous devons, si nous voulons que le pays aille de l'avant, notre niveau d'exigence, c'est extrêmement important, notre niveau d'exigence en tant que citoyen, parce que nous sommes avant tout des citoyens, devrait être beaucoup plus important. Mais vous remarquerez que lorsqu'il s'agit du Congo, on trouve toujours des mitigations qui vous donnent l'impression que ce qui ne serait pas acceptable ailleurs pourrait l'être ici. En ce qui nous concerne, il y a vraiment deux, trois faits qui ont déjà été soulevés ici que nous trouvons graves et préoccupants. Et je le répète, je le reprends parce que je pense qu'il faut insister là-dessus. Premièrement, la loi est claire sur la durée d'organisation d'une élection. La loi circonscrit cette organisation volontairement pour deux raisons. J'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas qu'on nous donne l'impression que c'est subjectif simplement ce que nous avons ici. Et politique, c'est d'abord et avant tout important pour la survie de la démocratie dans notre pays. La loi donne non seulement le jour, on vous dit dimanche ou un jour férié, mais la loi précise les heures, de 6h à 17h, parce qu'il y a deux aspects là-dedans extrêmement importants en démocratie. La transparence et l'égalité de chance à tous. Lorsque vous décidez de ne pas respecter et de passer au jour suivant, la question de transparence saute. Expliquez-nous comment est-ce que les témoins, parce que j'entends beaucoup de questions sur les témoins, mais ceux qui avaient des témoins, plusieurs avaient des témoins, qu'est-ce que vous faites des témoins le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour? Conséquence, aujourd'hui, on nous dit d'ailleurs qu'il y a des bureaux, et on l'a vu, qui n'ont pas de PV. Et autre conséquence aujourd'hui, on nous apprend hier, chose très grave, qu'il n'y a pas eu de compilation. Au-delà de nos côté partisan, moi je nous appelle nous à une question de citoyenneté. C'est très important. Nous sommes, comme vous le savez, nous venons d'entrer en politique. C'est une question de survie d'une nation.
comment pouvons-nous accepter ce genre de choses et simplifier en disant il y en a un qui a gagné et les autres ont perdu? On viole le jour. On a 6 jours d'élection, on nous dit c'est pour permettre à tout le monde de voter. On fait sauter donc la question de transparence. La comptabilisation manuelle a été intégrée pour justement à élargir cette transparence. On nous dit, pour aller plus rapidement, on ne prend que la comptabilisation des machines. Mais nous savons tous qu'il y a eu des machines en circulation dont le nombre est inconnu. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, y compris l'organisateur des élections. Mais les résultats qu'on nous publie sont des résultats de la machine. Les candidats de la majorité eux-mêmes sont en train aujourd'hui de s'entre-accuser de tricherie. C'est visible, c'est connu. Et donc cette personnification est problématique. J'insiste, la finalité est d'abord avant tout, il faut que nous arrêtions en tant que peuple, en tant que nation, en tant que citoyen, de tout accepter et de tout relativiser au-delà des questions politiques. Nous, c'est d'abord cela. Il faut, on ne peut plus tout accepter sous des prétextes politiques. Deuxièmement, on a voulu régler un problème qui est lié aujourd'hui à la question de la légitimité, l'éternelle question de légitimité. Mais avec ces éléments-là, comment voulons-nous régler cette question de légitimité? Et qu'est-ce qui va se passer? Ça a été dit, nous allons rentrer demain encore une fois dans des contestations, dans un rejet de légitimité. Vous avez aujourd'hui toute l'opposition politique, la société civile qui se réunit. Et l'histoire va se répéter une fois de plus. D'un côté, vous aurez des gens qui vont juger et de l'autre, des gens qui vont contester. C'est une question de survie de notre État. Donc, la question de pourquoi, quelle est la finalité? La finalité, d'abord, celle-là. Et ensuite, nous devons très clairement trouver des solutions pacifiques. Je tiens également à insister sur le côté pacifique, parce que ça n'a peut-être pas été suffisamment dit. Nous allons continuer à mener ces actions de manière pacifique. Mais nous savons qu'il y a des risques. Le pays aujourd'hui est dans une situation grave de crise militaire et autres à l'est du pays et probablement ailleurs. Mais nous allons nous agir de manière pacifique, chose très importante. Sur la question de la main tendue, ce sera mon dernier point. Je pense que nous devons trouver une solution pacifique pour sortir de cette crise et de cette situation. Nous allons risquer une fois de plus d'avoir 5 années au cours desquelles, d'une part, des personnes diront qu'ils sont vainqueurs, elles sont vainqueurs, d'autre part, des personnes vont contester, mais nous allons maintenant travailler, passer le temps sur les questions de légitimité. Vous êtes légitime, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas légitime, et finalement, le pays ne se développe pas. Voilà ce que je peux dire sur les deux. C'est la question qui a retenti, et l'opposition, vous n'étiez pas d'accord, aujourd'hui, vous êtes d'accord. Les élections n'engagent pas simplement les hommes politiques. Mais c'est plutôt tout un peuple. Aujourd'hui, la jeunesse représente 70% et c'est d'eux qui souffrent. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que nous allons comprendre que ce n'est pas une affaire de M. Martin Fayulu, ni de M. Maurice Katumbi, ni de M. Matata Pouni, Yosef Kikuni, mais c'est le peuple. Si nous devons comprendre ces élections, faisons passer M. Tshisekedi, on a 5 ans de souffrance, on a 5 ans de détournement, on a 5 ans d'insécurité. Pourquoi nous devons toujours comprendre ce qu'on ne doit pas comprendre? On a développé une capacité, cette capacité de bien vivre dans des conditions difficiles. On a accepté de vivre avec le détournement de rats, c'est passé. On a accepté de vivre avec l'insécurité à l'Est, c'est normal. Mais lorsque un peuple n'est pas en mesure de revendiquer ce qui est ce droit, ce peuple ne mérite pas être défendu. Aujourd'hui, au-delà de ces leaders, devant vous, il faut voir que cette affaire engage tout un peuple. 5 ans d'irrégularité, 5 ans de souffrance, on ne peut pas encore continuer à cela. Et moi ici, quand je prends la parole et je parle, je vois plus la jeunesse qui représente 70%. Et je ne crois pas qu'un jeune sérieux, un jeune digne, peut prendre ses voix et aller voter un régime que nous tous connaissons qui n'ont pas servi le pays. Donc ici, il faut dissocier cette conception que Martin Fayulu, M. Moïse Katumbi, M. Seth Kikuni, M. Matata, ce n'est pas eux. Parce que dans cette affaire, ils n'ont rien à perdre. C'est nous qui perdons plus, c'est la jeunesse qui perdons plus. Donc, ici, le peuple doit se réveiller et dire non à cette imposition dictatoriale qu'on veut nous donner en détournant nos voix. Voici ma conclusion. C'est
cette complaisance de dire, cher ami Corneille, qu'on a connu des élections, il y a un candidat qui est proclamé, c'est une hypocrisie et une complaisance qu'on ne peut pas continuer à accepter. Nous sommes tous au courant que ces élections est une farce en réalité, un cocktail de turbulence. Et ici, nous voulons faire semblant comme si tout allait bien et que tout marchait sur le bled. Moi, je pense que tout Congolais, citoyens que nous sommes, nous avons vécu, je crois, dans ce pays, trois cycles électoraux, mais ces élections sont tout sauf une élection. C'est ici le lieu de dire que M. Tshisekedi ne sera pas président de ce pays parce qu'il n'est pas élu, il veut prendre le pouvoir par la force. Alors le peuple congolais est appelé à résister conformément à la Constitution dans son article 64. Nous avons le droit constitutionnel de manifester contre cela et la Constitution nous donne ce droit-là. Il n'y a pas eu d'élection, il y a eu une farce électorale, une blague de M. Kadima pour faire une passe à mort à M. Tshisekedi et l'opposition n'a cessé de les dénoncer. Nous avons participé à ces élections pour démontrer que l'opposition était prête à gagner M. Tshisekedi de manière démocratique. Celui-ci n'ayant aucun bilan, il a choisi la voie de la fraude. Et nous le savons tous. Et à un moment donné, chers compatriotes, arrêtons s'il vous plaît de faire de la complaisance. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de gagnant. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de refaire de bonnes élections pour la maturation de notre démocratie. Je crois que c'est la chose que moi j'aimerais bien compléter et que cela soit ancré dans le mémoire des Congolais qu'il n'y a pas eu élection, il y a une farce électorale et tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la réorganisation des bonnes élections avec une nouvelle CENI, comme on l'a toujours demandé. L'opposition est restée constante. L'opposition n'a pas changé sa posture, sauf que le pouvoir a tout fait pour se maintenir par la force. Et cette force-là, le peuple congolais n'est pas prêt à l'accepter. Nous allons mobiliser la population, comme le dit dans cette déclaration, à travers nos leaders, bien sûr. Cette mobilisation sera faite, et je le dis, que M. Tshisekedi n'aura ni légitimité, ni légalité, et le peuple congolais va s'autodéterminer pour son avenir. Un lien avec la première question qui a été posée, et qui paraît être un reproche qu'on nous adresse, l'opposition plurielle, qu'on n'avait pas été capable de vous donner un candidat commun face à, au challenger Tshisekedi. Comment aujourd'hui vous vous présentez en face de nous comme étant un bloc voulant manifester face à ce que vous qualifiez comme étant la fraude. Alors, est-ce que cette question, c'est une forme de reproche qu'on fait aux acteurs politiques consciencieux qui se réengagent dans une forme de processus de leur propre remise en question? Sommes-nous reprochables de nous remettre en question avant que l'apocalypse ne tombe sur le pays? Bon, encore que la question elle-même aurait, à mon sens, aurait été, je ne dirais pas pertinente, elle est pertinente dans une certaine mesure. Si elle nous obligeait face à un candidat disposant d'un bilan, n'est-ce pas? Disposant d'un bilan, un candidat crédible, de pouvoir contraindre l'opposition plurielle à se donner aussi un challenger ou un candidat commun crédible qui ferait face à un candidat crédible, n'est-ce pas, de la majorité ou de l'Union sacrée. Ici, vous avez un candidat qui n'a aucun bilan et tout le monde en est conscient. Même pour pouvoir, on en est conscient. Ce aurait été des élections transparentes, crédibles, des élections sérieuses, que même face à l'opposition plurielle, telle qu'elle s'est présentée face à Tshisekedi, que Tshisekedi ne gagnerait pas. Ça c'est clair. Bon, maintenant, même alors, la présentation des candidats pluriels par l'opposition,
aurait été considéré par Tshisekedi comme étant en fait un facteur avantageux pour lui. Mais qu'est-ce qui explique que même face à cet avantage mathématique qu'il dispose, il se soit senti obligé de recourir à un dispositif de fraude assez lourd? Ça dit qu'il y a un problème, il y a un problème quelque part. Donc monsieur, même face à l'opposition plurielle, s'est senti obligé de recourir à la fraude parce que il n'était pas en mesure d'engranger les suffrages qu'il lui faut. Et donc, on ne peut pas nous approcher aujourd'hui face à ces évidences-là, de pouvoir aujourd'hui nous resserrer les coudes pour dire nous avons commis peut-être des erreurs dans le passé. Remettons-nous en question pour la suite avant que l'apocalypse ne tombe. On ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle. On ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle parce que cette Cour n'est pas indépendante. Vous avez suivi le président de cette Cour qui congratulait M. Kadima et la CENI. Donc on ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, deuxièmement, nous avons essayé, nous avons saisi la Cour, parce que la Cour pouvait décider ex ante. C'est-à-dire, avant, c'était voir est-ce que ce que la CENI faisait, c'était régulier, la régularité du processus. Et la Cour nous a dégoûtés, donc on ne peut pas saisir cette Cour, elle est au service de M. Tshisekedi. Mais je vais lancer un message à la communauté internationale. Si un pays étranger, aujourd'hui, considère que ces élections étaient des élections, c'est qu'il y a un problème. Ou on ne respecte pas le peuple congolais, ou bien il y a un sérieux problème de conception de la démocratie. Comment voulez-vous que vous avez un code électoral qui définit tout et vous violez ces codes? Prenons les articles 70 et 71, ou à partir de 69, de la proclamation des résultats. Mais on dit bien qu'avant de proclamer les résultats, il faut amener les plis au centre local de compilation des résultats. Et dans ces centres-là, il y a aussi des témoins des candidats. Et après avoir compilé, les centres envoient à la CENI et la CENI proclame les résultats provisoires à partir de ces résultats compilés dans ces centres. On ne l'a pas eu. Et comment quelqu'un peut justifier que ces résultats-là soient valables? Cela veut dire pour les Congo, on ferme les yeux, on dit que non, les Congo ne comptent pas dans l'agenda du monde, nous avons le problème de l'Ukraine, nous avons le problème d'Israël et de la Palestine à régler, nous avons tant d'autres problèmes, et vous, écoutez, continuez dans la jungle, continuez dans l'illégitimité, et ça, ça serait un manque de respect au peuple congolais. Cela veut dire que nous ne faisons pas partie des Nations Unies, c'est comme on nous traite, les FDLR sont là. Au lieu de régler le problème du FDLR, donc le Rwanda est un petit pays, on prend fait de cause pour le Rwanda et non pour le Congo. Non, cela suffit, et ça suffit, et c'est pour cela que nous disons au peuple congolais, il n'y a personne qui peut porter votre destin, il n'y a personne qui peut changer les choses chez vous, chez nous, c'est nous-mêmes. Donc, dès qu'on publie les résultats, chers amis, ce ne sont pas les résultats des élections, c'est un mascarade, il ne faut pas accepter cela. Vous dites la main tendue, quelle main tendue? La main tendue, c'est refaire les élections, nous retrouver autour d'une table, comment est-ce que nous pouvons articuler cette période entre maintenant et comment dire, les élections organisées, comment organiser ces élections, comment mettre en place une CENI récomposée, responsable, et nous y allons. Dire autre chose, c'est un manque de respect total à l'égard de ces peuples. Merci beaucoup. Merci.